Ceci est une locomotive diesel DBS classe 66 en livrée Great Western Railway, surnommée Shed, qui veut dire cabane en anglais à cause de son look. Cette locomotive tractait de l'agrégat tout le long de la Great Western Main Line. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment conduire cette puissante locomotive de fret, la démarrer, la faire rouler et l'arrêter. Commencez par monter à bord de la locomotive. Passez par la porte de la cabine qui est devant vous. Jetez un coup d'œil autour de vous et lorsque vous serez prêt, prenez place dans le siège du conducteur. Tout d'abord, vous avez besoin d'allumer et de faire tourner le moteur. Commencez par tourner la clé principale. Maintenant, démarrez le moteur. Réglez l'interrupteur du démarrage moteur, celui du champ de la génératrice et l'interrupteur de la commande et de la pompe à carburant sur activé. Et voilà! Utilisez le bouton du démarrage moteur sur le pupitre, puis attendez que le moteur tourne pour configurer l'interrupteur d'isolation sur démarrage. Cette locomotive utilise le système de freinage PBL. Avant de nous mettre en route, il faut que nous fassions un test de freinage rapide. Tout d'abord, maintenez le manche du frein automatique sur la position relâchée jusqu'à ce que l'aiguille de la conduite générale devant vous soit sur le chiffre 5. Les freins doivent être à présent chargés, il faut donc opérer un serrage complet. Cette fois-ci, maintenez le manche du frein auto sur la position enclenchée jusqu'à ce que l'aiguille de la conduite générale soit sur 3. Bon, on dirait que les freins fonctionnent correctement. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est à nouveau relâcher complètement les freins pour que nous puissions rouler. Il est l'heure de se mettre en route. Allumez les phares et les marqueurs lumineux.
préparer le train pour que nous soyons prêts à avancer. Utilisez l'inverseur et positionnez-le sur marche avant. Maintenant, vous devez relâcher le dernier des freins, le frein à main. Nous y sommes presque. Maintenant, donnez un coup d'accélération pour faire rouler ce train. Placez le manche du manipulateur de traction sur le cran 1. Je pense que nous allons assez vite pour l'instant. Pour maintenir votre vitesse actuelle, positionnez le manche du manipulateur de traction de nouveau sur neutre. Et voilà ! Faisons arrêter le train doucement. Positionnez de nouveau le manche du frein automatique sur enclencher. Faites en sorte que l'aiguille de la commande de la conduite générale, située devant vous, tourne autour du chiffre 4 pour un freinage en douceur. Enfin, laissez les freins faire le reste. Bon travail! Vous êtes prête à effectuer vos trajets seul maintenant. Si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai montré ici, tout ira bien. Vous avez été appelé pour remplacer un conducteur qui est retardé par un autre train. Nous avons besoin de vous pour emmener le train à Reading, où le conducteur continuera sa journée comme prévu. Heading to London Paddington to pick up the train. Be sure to arrive no later than 19:20.
due at all times. Any unattended baggage will be removed.